Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Eh bien, leur châtiment ne sera pas diminué, et ils ne seront point secourus. Certes, nous avons donné le livre à Moïse, nous avons envoyé après lui des prophètes successifs, et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil? Vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres. Ils dirent, nos cœurs sont enveloppés et impénétrables. Non, mais Allah les a maudits à cause de leur infidélité. Leur foi est donc médiocre. Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants, quand donc leur vint cela, même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Comme est vil ce contre quoi ils ont troqué leur âme. Ils ne croient pas en ce qu'Allah a fait descendre. Révoltés à l'idée qu'Allah, de par sa grâce, fasse descendre la révélation sur ceux de ses serviteurs qu'il veut. Ils ont donc acquis colère sur colère, car un châtiment avilissant attend les infidèles. Et quand on leur dit « Croyez à ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Nous croyons à ce qu'on a fait descendre à nous », et ils rejettent le reste, alors qu'il est la vérité confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux. Dit « Pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah si vous étiez croyants ?» En effet, Moïse vous est venu avec les preuves. Malgré cela, une fois absent, vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injuste. Et rappelez-vous lorsque nous avons pris l'engagement de vous et brandi sur vous At-Tur, le mont Sinaï, en vous disant « Tenez ferme à ce que nous vous avons donné et écoutez. » Ils dirent « Nous avons écouté et désobéi. » Dans leur impiété, leur cœur était passionnément épris de vous, objet de leur culte. Dis-leur, quelle mauvaise prescription ordonnée par votre foi, si vous êtes croyant. Dis, si l'ultime demeure auprès d'Allah est pour vous seul, à l'exclusion des autres gens, souhaitez donc la mort immédiate si vous êtes véridique. Or, ils ne la souhaiteront jamais, sachant tout le mal qu'ils ont perpétré de leurs mains. Et Allah connaît bien les injustes. Et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas, pire en cela que les associateurs. Tel d'entre eux aimerait vivre 1000 ans, mais une pareille longévité ne leur sauvera pas du châtiment. Et Allah voit bien leur action. Dis, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuses annonces. Dis, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michael, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. Et très certainement, nous avons fait descendre vers toi des signes évidents, et seuls les pervers n'y croient pas. Faudrait-il chaque fois qu'ils concluent un pacte qu'une partie d'entre eux le dénonce? C'est que plutôt la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Et quand leur vint d'Allah un messager confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains à qui le livre avait été donné jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah comme s'ils ne savaient pas. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Salomon. Alors que Salomon n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Il enseigne aux gens la magie ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harout et Marout à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne, qu'il n'ait dit d'abord « Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant ». Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse.
Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur âme, si seulement ils savaient. Et s'ils croyaient et vivaient en piété, une récompense de la part d'Allah serait certes meilleure, si seulement ils savaient. Ô vous qui croyez, ne dites pas « Ra'inna, favorisez-nous », mais dites « Unzurna, regarde-nous » et écoutez. Un châtiment douloureux sera pour les infidèles. Ni les mécréants parmi les gens du livre, ni les associateurs n'aiment qu'on fasse descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur, alors qu'Allah réserve à qui il veut sa miséricorde. Et c'est Allah le détenteur de l'abondance grâce. Si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Ne sais-tu pas qu'à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre et qu'en dehors d'Allah, vous n'avez ni protecteur ni secoureur? Voudriez-vous interroger votre messager comme auparavant on interrogea Moïse? Quiconque substitue la mécréance à la foi s'égare certes du droit chemin. Nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréant après que vous ayez cru, et après que la vérité s'est manifestée à eux. Pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Allah est très certainement omnipotent. Et accomplissez la salat et acquittez la zakat. Et tout ce que vous avancez de bien pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah, car Allah voit parfaitement ce que vous faites. Et ils ont dit, nul n'entrera au paradis que juif ou chrétien. Voilà leur chimère. Dit, donnez votre preuve si vous êtes véridique. Non, mais quiconque soumet à Allah son être tout en faisant le bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte, et ils ne seront point attristés. Et les Juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent, les Juifs ne tiennent sur rien. Alors qu'ils lisent le livre. De même, ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable au leur. Eh bien, Allah jugera sur ce quoi ils s'opposent au jour de la résurrection. Qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah on mentionne son nom et qui s'efforce à les détruire? De tels gens ne devraient y entrer qu'apeurés. Pour eux, ignominie ici-bas et dans l'au-delà, un énorme châtiment. À Allah seul appartient l'Est et l'Ouest. Où que vous vous tourniez, la face direction d'Allah est donc là, car Allah a la grâce immense, il est omniscient. Et ils ont dit, Allah s'est donné un fils. Gloire à lui. Non, mais c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre, et c'est à lui que tous obéissent. Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement « soit », et elle est aussitôt. Et ceux qui ne savent pas ont dit « Pourquoi Allah ne nous parle-t-il pas directement ?» ou « Pourquoi un signe ne nous vient-il pas ?» De même, ceux d'avant eux disaient une parole semblable. Leur cœur se ressemble. Nous avons clairement exposé les signes pour des gens qui ont la foi ferme. Certes, nous t'avons envoyé avec la vérité, en annonciateur et avertisseur, et on ne te demande pas de compte des gens de l'enfer. Ni les Juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dis, certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction. Mais si tu suis leur passion, après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni secoureur. Ceux à qui nous avons donné le livre, qui le récitent comme il se doit, ceux-là y croient. Et ceux qui n'y croient pas sont les perdants. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé
et que je vous ai favorisé par-dessus le reste du monde de leur époque.